aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un petit jeu dans lequel on a des dilemmes et si jamais on tombe sur le mauvais choix, on doit réaliser un défi. Avant ça, je tenais à m'excuser à propos du fait que je n'ai pas posté pendant plusieurs jours parce que j'étais un petit peu malade, mais maintenant ça va. Et je vous invite à jouer derrière votre écran, vous aussi, car on risque d'avoir du fun. C'est parti, on va voir ensemble le premier dilemme. Alors, c'est parti les amis. Oh mon dieu, j'ai peur. Alors, would you rather to have, ça veut dire, est-ce que tu préfères avoir une girafe ou 50 000 bucks? Moi personnellement, c'est une girafe. Comme ça, j'aurai des bons pets quand je l'aurai tradé. Oh non! Oh non, les amis! J'ai un défi! Alors, put on a girl outfit. Oh non, on doit mettre comme vêtement cette voiture et mettre vroom vroom dans le chat. Alors, c'est parti. J'essaye. J'ai mis la rouge. Comme ça, ça va avec mes vêtements. Bon, j'écris vroom vroom, c'est parti, je l'envoie. Et là, je vais courir comme une folle. Et là, le pire, c'est qu'il y a des amis et des abonnés, genre dans le serveur. Genre, ils sont en train de se téléporter en ce moment. Ils sont en mode, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Bon, bah, au moins, si ils regardent cette vidéo, bah, ils vont comprendre. Ok, alors c'est vraiment n'importe quoi, les amis, regardez. Tout le monde me regarde bizarrement. Il y a une fille, elle m'a dit t'es drôle. Je sais pas si c'est une abonnée, genre je sais pas si elle me connaît, ou pas. Bah merci. Bon, on arrête les niaiseries et on passe au prochain dilemme. Ok les amis, c'est parti. Ensuite, on nous dit, tu préfères rester bloqué en bébé ou bien rester bloqué en parent? Alors moi je dis en bébé les amis, parce que comme ça je gagne plus d'argent. Et yes, je n'ai pas de défi cette fois-ci. Alors on va voir quand même c'était quoi le défi. Alors ça dit si ton avatar était une fille, tu dois faire le même avatar mais en version garçon. Alors yes, je n'ai pas de défi. Prochain truc, tu préfères avoir a pink cat ou un blue dog? Bon, moi personnellement, Pink Cat, je trouve c'est plus mignon. Mais les deux ont la même rareté. Yes! Cette fois-ci aussi, je n'ai pas de défi. Alors, c'était, il fallait nommer son pet préféré. My owner pick his, her nose. Ensuite, tu préfères avoir 1000 Robux ou un légendaire de ton choix? C'est difficile, mais c'est parti, je dis 1000 Robux. Oh non les amis, j'ai un défi. Alors c'est parti, on va voir qu'est-ce que c'est le défi. Va dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas et dis, j'ai besoin des toilettes s'il vous plaît, je suis désespérée. Oh non. Oh mon dieu, ok c'est parti. Alors j'ai dit à une abonnée, mais elles sont où les toilettes STP, je suis désespérée. Elle a dit lol, on va voir sa réaction. Alors, elle nous dit, viens. Oh mon dieu, ça s'appelle la gênance totale. Attendez, me dites pas qu'elle m'amène chez moi. Attendez, non, ok, non. Sa maison, c'est la même que la mienne, j'ai tellement cru, wesh. Oh my god, j'ai cru. Alors, oh, waouh, c'est vraiment beau. Alors, c'est parti. What? Attendez, il n'y a pas de toilette ici? Attendez, non, c'est une blague. Oh, elle en a construit une! Oh non! En plus, elle n'en avait pas. Oh, merci beaucoup à toi si tu regardes cette vidéo. Alors, je vais lui dire merci. Hop. Voilà. Au revoir! Attendez, je vais lui expliquer que c'était juste pour une vidéo. Voilà, je vais lui dire lol. En fait, je filmais. Elle a dit lol, je m'en doutais. Je vais dire, c'était un challenge.
pour une vidéo. Alors je vais dire tu verras demain parce que au moment où je filme cette vidéo, et bah c'est la veille de la mise en ligne de la vidéo. Bye. Ensuite, on va voir le prochain dilemme. Alors, tu préfères avoir le Luxury Apartments ou le Ruler's Castle? Alors moi, je préfère le grand appartement. Oh non, j'ai un défi. Bon, ok, c'est pas grave, on va voir. Alors, il faut aller voir une personne randomly, genre juste comme ça qu'on ne connaît pas. On doit mettre exactement les mêmes vêtements qu'elle et on doit lui dire pourquoi t'as copié mon style. Ok, c'est parti. Donc les amis, me revoilà. J'ai ciblé une personne au hasard. Je me suis déguisée en elle en fait. Et puis bah, je vais lui dire hi, pourquoi t'as copié mon style et tout. Alors elle trate sa golden uni. Ok, ça va, bon. J'ai dit, why are you copying my style? Pourquoi tu copies mon style? Alors, faut savoir qu'elle est juste magnifique. J'aime trop son style. Elle a dit, OMG, je t'ai juste vu. Tu viens tout juste de te changer. Alors, je vais dire, non, c'est pas vrai. Elle a dit, oh, I'm not dumb. Elle a dit, je suis pas stupide. Je vais dire, t'inquiète, t'es magnifique. J'adore ton style. C'est juste pour une vidéo. Elle a dit « Oh, thank you !» Elle a dit « You too !» Oh, elle a dit toi aussi « Merci !» Lol. Elle a dit « Sorry !» Oh, je vais dire « C'est pas grave !» Ensuite, les amis, on va voir. Alors, tu préfères avoir 5 safari eggs ou 10 jungle eggs? Oh, bah, 10 jungle eggs direct, les amis. Yes les amis, je n'ai pas le défi. Enfin en même temps c'était quand même facile. Alors I'm new, can somebody tell me where the school is please? Alors en fait il faut se mettre devant l'école et il faut demander à quelqu'un, elle est où l'école? Ok d'accord, ça va, c'était quand même bien. Alors après ça nous dit, tu préfères avoir le premium plot ou le VIP game pass? Moi, perso, je dis premium plot. On va voir. Oh non, j'ai un défi. Ok, c'est parti. On va voir qu'est-ce que c'est. Alors, il faut mettre une tenue vraiment bizarre. Du coup, je suis de retour avec une tenue assez bizarre. Et je vais demander à une personne, est-ce que je suis belle ou pas? Alors là, je suis déguisée en la reine des papiers toilettes. Oui, je sais, c'est très très bizarre. On va lui demander, am I beautiful? Ça veut dire, est-ce que je suis belle? Yes, you are pretty. You are very pretty. Elle a dit, oui, tu es vraiment très très belle. Merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu. Alors, je vais lui écrire, thanks. Parce que bah elle est drôle. Après, tu préfères perdre ton meilleur légendaire ou tes 600 Star Rewards? 600 Star Rewards direct. Oh non, mais en même temps sérieux, non non non, c'est quoi alors? Go oh, il faut aller voir quelqu'un juste comme ça au hasard et lui dire "Oh my god, c'est toi" et tout, genre faire comme si bah la personne elle était hyper connue. Et tout, ça je sens que ça va être drôle. Alors cette fille, je la connais pas, je lui ai dit, oh my god, c'est toi, je suis ta plus grande fan. On va voir sa réaction. Alors elle nous dit quoi? Je stresse, elle a dit, huh? Elle est en mode, hein, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce que tu parles? Oups, je vais lui dire, t'es trop la best, je vais dire, you are the best. Oh my god, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, bon, j'ai fait une petite erreur. Hop, voilà. C'est trop drôle. Oui, oui, j'ai une trop bonne idée, je vais dire, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? C'est mon rêve.
Thanks, but where do you know me from? Elle a dit oui, ok, merci beaucoup, mais d'où tu me connais, hein? Oh my god, sa réaction, j'adore. Elle a dit it's okay. Elle a dit it's okay. Genre, ok, d'accord, avec plaisir. Genre, je vais dire can I have a photo with you? Je vais dire est-ce que je peux avoir une photo avec toi, SCP, genre c'est mon rêve et tout. Oh my god. Ouais, là je vais lui écrire, c'est mon rêve. S'il te plaît, accepte et tout. Je te fais tout ce que tu veux, juste accepte. On va voir. Oh my god. What is your dream? Elle a dit, c'est quoi ton rêve? Elle a rien compris. Ok, je vais lui dire, c'est que tu prennes une photo avec moi. C'est que je prenne une photo avec toi, pardon. La fille, elle est confuse. Elle a dit, hein, est-ce que je suis passée à la télé? Oh là là, franchement, là, je suis morte de rire. Sa réaction. Oups, j'ai fait une erreur. Alors, Alex, que vas-tu nous répondre? Sure. Elle a dit, oui, bien sûr. Je vais dire, oh my god, t'as accepté! Je vais dire à tous mes amis, ils vont être super jaloux. Ils vont dire, non, c'est impossible. Je vais leur montrer la preuve. Oh my god! Alors, imaginez, attendez, imaginez, pour de vrai, genre, c'est une youtubeuse et tout. Imaginez! Bon, on arrête les niaiseries. Le pire, c'est que genre, je vais partir maintenant, je vais pas lui dire que c'était juste un prank. Alors les amis, ici on nous dit, tu préfères trade ton Safari Egg ou bien l'ouvrir? Bon, le trader les amis. Oh non! Ouais bon, c'est sûr, enfin, moi personnellement, je choisis ça. Still a baby. Oh, il faut voler un bébé. Les amis, bon, après ça, c'est trop pas juste parce que bah, j'ai choisi ça parce que je peux avoir des meilleurs pets si je le trade. Bon, ok, c'est la fin de la vidéo, donc c'est parti. On va aller kidnapper un bébé, mais comme vous avez pu le voir, c'était écrit à ne pas essayer dans la vraie vie. Alors n'essayez pas ça dans la vraie vie, les amis. Ok, 1, 2, 3, la première personne que je vois, hop, je la prends. 1, ok, elle, 1. Oh my god les amis. Ne vous inquiétez pas hein, c'est juste pour une vidéo. On va l'amener au château. Attendez, après je suis gentille. On va faire du saut à l'élastique. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de me suivre sur mon Insta Nouda.ca, sur mon TikTok Nour-Play, sur ma chaîne principale Nour-CA. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!